Hello, 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 salut à vous, on va se faire un petit opening comme d'habitude, un petit opening à fond. De toute façon, on ouvre des boîtes sur tous les jeux. Les openings des Laser Néon Cash. Laser Néon Cash, c'est les boîtes des challenges. Je les ouvre aujourd'hui car, comme j'ai dit, je voulais tester le jour des fragments de dragon. Pour essayer, pourquoi pas, d'avoir plus de fragments. Car il m'a semblé qu'on en recevait davantage. Donc, qu'est-ce qu'il me faudrait? J'ai vu qu'il me fallait au moins 75. 3 fois 25, au moins si je pouvais avoir 3 fois 25 en luck, ce serait pas mal. Surtout pour les montures, parce que bon, au mieux d'aller sur l'une ou l'autre, puis pourquoi pas, entre deux, une petite monture. Donc là, j'en ai 31 en coffre, et celui-ci, j'en ai 42. Certaines personnes reçoivent plus de celui-ci, d'autres plus de celui-ci. Donc si je pouvais avoir au moins deux luck, ce serait sympa. Étant donné que les sentiences de shard, ça avance plutôt bien et il m'en manquerait que 3. Il m'en manquerait que 3 et le problème c'est, bah voilà, hein, si on doit avoir une poudre, il faut recycler 10 fragments de dragon, ça fait mal. Allez, on va tenter, on teste, allez. Je vais en ouvrir 75. 75 pour en garder 2. Pour toujours les avoir pendant les challenges dans les poches. J'aime bien comme ça se stocke toujours au même endroit. Attention, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va recevoir là-dedans? 50 plasmium. Fragment. Fragment. Oh, oh. Ça fait plaisir. Dans ce cas, je vais peut-être garder une seule boîte. 5, c'est cool. Encore 25, ça fait plaisir. Donc, est-ce que c'est la grande chance? Est-ce que c'est facile? Ou est-ce que c'est parce que c'est le jour des dragons? Peut-être que c'est le jour des dragons. Peut-être bien, peut-être bien. Il y a un système qui se fait. Que le jeu ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Allez, on continue tranquillement. Toujours en petit clic. 5. 1. Une petite luck. 5. Ça fait toujours plaisir. Bon, les plasmium, on en a. Hein. Ça va très vite au final. Et 25. Si je pouvais encore avoir deux lucks de chaque. Ce serait plutôt bien. Bon, après, il faudrait que j'attende, ou alors il faudrait que j'aille sortir des boîtes du shop. Mais j'en ai ouvert 4, 4 ou 5, et ben, j'ai pas reçu de bonnes choses. Hein. Donc, à part les résistors ou des choses comme ça, c'est pas top. On attend un petit peu. On va attendre un tout petit peu. Un par un. Bon, je crois que j'ai suffisamment eu ma chance pour aujourd'hui. Bon, je pense que quand même, il devrait y avoir encore au moins une chance sur les 35 boîtes. J'en garderai une en poche. Car normalement, dans ces boîtes, chance dormant, résistor et du matériel. Du matériel, à part le plasmium, n'y a que ça. Donc, soit c'est parce que c'est le jour des dragons, ou alors, j'ai pas de chance. Où sont les résistors? Où sont les petites boîtes, les machins, les ci, les ça? Il n'y en a pas. Donc c'est à toi de t'embêter à les crafter. Peut-être que c'est à cause que c'est la journée des dragons que ça bloque la chose. Ah, un seul circuit. Un circuit sur la soixantaine de boîtes que nous avons ouvert. 60 boîtes et un seul chargeur circuit. Un peu bizarre. Un peu trop de plasmium pour ce genre de choses. C'est les choses du challenge. Donc je pense qu'on devrait avoir plus. Étant donné que les challenges sont rares, je pense qu'on devrait avoir un petit peu plus d'éléments de craft et moins de plasmium. Je pense. 5, 5, 5, 4, 3. Une boîte Memory Matrix.
Et c'est la dernière boîte. C'est la dernière boîte. Voilà, on s'arrête ici. Bon, je garde la dernière car j'aime bien les avoir. Donc, nous avons reçu 68 et 88 fragments. Donc, ce qui nous donne un total pour le moment de 99 serre-argent et 130. Donc, je peux. En fait, il faut que je décrafte 3 d'ici. 30, donc ça fera 3 poudres matériel ici. Donc, c'est sur cela. J'en décrafte 3. Comme ça, j'ai les 100 et donc les 50 et j'aurai tout le nécessaire. Voilà, on va faire ça comme ça. Et ensuite, je joue ma chance pour cela. Donc, il faudra que je supprime tous ceux que je recevrai de celui-ci pour pouvoir faire de la poudre pour diverses montures et finir celui-là. Ok. C'est pareil. Pour la classe, hein, c'est la même chose. Hein, donc, il en faut un petit peu. 60. Donc, si on se log tous les jours et qu'on passe ces petites choses au loot collector, il y a moyen de se faire la classe. Toutes ces petites choses-là, on les craft tranquillement. Et ensuite, on se fait sa classe. Et après, bah, par la suite, on farmera ça petit à petit. On se laisse un petit peu de côté. Et on fait notre petite aventure comme on le faisait auparavant. Et le jour où on a tout, bah super, on passe dans la machine. Et là, on se fait plaisir. Ok, je vous quitte maintenant. J'espère que cet opening vous aura plu. S'il y a des questions, faut pas hésiter à les poser. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le craft de la monture. Ciao, 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 merci à vous. Ciao, ciao, ciao.